Chers amis, le Seigneur et moi-même, nous sommes très heureux de vous recevoir ce moment de réflexion autour de la leçon de l'école du sabbat. Merci à vous d'avoir fait le choix d'être là et que la paix du Seigneur repose sur chacun d'entre vous. Notre sujet du jour, où est Dieu? Nous prions. Père éternel, une nouvelle leçon nous est proposée et nous aurons à répondre à la question, où est Dieu? Donne-nous l'intelligence, la sagesse, prépare nos cœurs à entendre les réponses que tu vas nous donner par rapport à cette question, et que nous puissions renouer notre amour pour toi et recevoir une nouvelle révélation de ta part. Merci de nous assister, de nous bénir. Je te prie en Jésus pour ta gloire. Amen. Pour commencer notre réflexion, je vous invite à lire avec moi le psaume 42, verset 1 à 3. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Maintenant, lisons le psaume 63, verset 1er, au chef de chantre, sur instrument à cordes de David. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Maintenant, lisons le psaume 69, 1 à 4, au chef de chantre, sur les lys de David. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se consument tandis que je regarde vers toi, mon Dieu. Maintenant, le psaume 102, 1 à 7, prière de malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer, car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé, se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat-huant des ruines. Une question maintenant. Qu'est-ce qui cause la douleur au psalmiste dans ces versets que nous avons lus? Je demande à ce que l'Esprit du Seigneur vous accompagne, chers amis, dans votre réflexion. Le psalmiste non seulement subit les souffrances personnelles et collectives, mais aussi le manque apparent d'attention de Dieu à l'égard des difficultés de ses serviteurs, et cela l'intrigue. L'absence de Dieu est ressentie comme une soif intense dans une terre aride et une angoisse mortelle. Le psalmiste se sent éloigné de Dieu et se compare à des oiseaux solitaires. Il dit au psaume 102, 6 et 7, « Je ressemble au pélican du désert, je suis comme le chat-huant des ruines, je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. » La mention du désert souligne le sentiment d'isolement par rapport à Dieu. Un oiseau solitaire sur un toit est en dehors de son nid, de son lieu de repos, de sécurité. Le psalmiste crie à Dieu du fond de l'abîme, comme s'il était englouti par de puissantes vagues et s'enfonçait dans la boue. Le psaume 69, verset 3, « J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. » Le psaume 130, verset 1er, « Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. » Ces images dépeignent une situation oppressante dont on ne peut s'échapper sauf par une intervention divine et miraculeuse. Le psaume chapitre 10, verset 12 nous dit « Lève-toi, Éternel. Ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas les malheureux. » Le psaume 22, verset 1er « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? » Le psaume 27, verset 2 « Ne me cache point ta face. » Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Le psaume 39, verset 12.
Écoute ma prière, Éternel, et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Maintenant une question. Comment le psalmiste réagit-il à l'absence apparente de Dieu? Tandis que tu réfléchis à cette question, je demande au Seigneur de t'accompagner par son Esprit Saint. Chers amis, il est remarquable de noter que le psalmiste décide de ne pas se taire face au silence de Dieu. Le psalmiste croit fermement en la prière, parce que la prière s'adresse au Dieu vivant et bienveillant. Dieu est toujours là, même lorsqu'il est apparemment absent. Il est toujours le même Dieu qui les avait entendus dans le passé, et ils sont donc convaincus qu'il les entend toujours. Le silence de Dieu amène le psalmiste à s'interroger et à chercher Dieu, mais avec confession et humilité. Ils savent que Dieu ne restera pas éternellement silencieux. Les psaumes démontrent que la communication avec Dieu doit se poursuivre, quelles que soient les circonstances de la vie. Alléluia. Amen. Que pouvons-nous apprendre des réactions du psalmiste à l'absence apparente de Dieu? Deuxièmement, comment réagissez-vous lorsque Dieu semble être silencieux dans votre vie? Troisièmement, qu'est-ce qui soutient votre foi à ce moment-là? À ces trois questions capitales, essentielles, j'implore le Seigneur de vous assister dans votre réflexion par son Esprit Saint. Mes amis, au milieu de nos souffrances, nous nous demandons souvent où est Dieu? Cette question jaillit souvent en nous à partir d'un endroit où l'angoisse et le désespoir sont les plus profonds. Dans de tels moments, notre tendance en tant qu'être humain n'est pas de moraliser ou d'aborder philosophiquement notre douleur et notre souffrance. Nous voulons juste des réponses et un soulagement. Alléluia. Juste une réponse ou un soulagement, une guérison. Dans notre désespoir, nous nous tournons souvent comme le psalmiste vers Dieu pour obtenir de l'aide. Remarquez que même si le Créateur semble absent, le psalmiste plaide, car dans le psaume 39, verset 12, il dit « Écoute ma prière, Éternel, et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes. » Le psalmiste sait que Dieu est là, même s'il n'a aucun signe extérieur de la présence divine. C'est en cela que consiste la foi, mes amis. Le psalmiste ne dit pas « J'abdique, j'abandonne ma foi parce que Dieu ne me répond pas. Il n'existe donc pas. » Au contraire, le psalmiste fait confiance à Dieu et attend qu'il agisse en sa faveur au moment opportun. Il dit dans le psaume 37, verset 7, « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. » Alléluia. Amen. Maintenant, la partie application. Es-tu dans une situation aujourd'hui qui te pousse à pousser ce cri « Où est Dieu ?» Alors, si c'est ton cas, je t'invite maintenant même à répandre ton âme devant lui. Et je t'assure qu'il entendra. En conclusion, si Dieu garde le silence, il est temps pour nous aussi de garder le silence et d'attendre l'intervention de Dieu. Amen, amen, alléluia. Je comprends que ce n'est pas toujours facile, mais c'est la solution. La question qui se pose n'est pas « Où est Dieu ?» car Dieu est là et il prend soin de nous. La question est de savoir si nous serons là, nous aussi, à attendre dans la foi, afin qu'il agisse en notre faveur au moment voulu. Alléluia. Amen. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, merci encore, merci pour ta révélation. C'est vrai dans nos tristesses, dans nos angoisses, quand la souffrance est là, quand nous avons des questions sans réponse, quand nous avons des réflexions, Seigneur Dieu, qui n'aboutissent pas, quand nous sommes en crise tout simplement, nous avons tendance à crier vers toi et nous voulons savoir où es-tu et qu'est-ce que tu fais. Mais Père éternel, je sais que tu entends nos cris et que nous tourner vers toi et nous poser la question « Où es-tu ?» est déjà un signe de foi. Cela signifie que nous savons que tu existes et que nous avons besoin de toi et maintenant et tout de suite. Ô Père éternel, je te demande encore une fois, s'il te plaît, augmente notre foi. Travaille notre foi, s'il te plaît.
Oh, c'est tellement important que nous puissions avoir la foi de Jésus pour résister aux tentations de t'abandonner ou de croire que tu n'es pas là et que nous sommes livrés à nous-mêmes. Père éternel, viens nous rassurer, s'il te plaît. Parmi ceux qui écoutent cette leçon, il y en a qui souffrent, qui crient à toi. Viens maintenant même au nom de Jésus. Viens, s'il te plaît, maintenant à leur secours. Révèle-toi à eux. Viens les consoler, les prendre dans tes bras d'amour et les rassurer de ton amour et de ta présence. Nous te louons, nous te bénissons. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.